bienvenue sur la chaîne Jeanne Créa. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul action du 9 septembre 2023. Donc, haul action deuxième partie. Donc, ça, c'est du Noël. Je vais essayer d'aller vite parce que je pense que vous avez pas mal vu. Donc, je vais essayer d'aller vite. Voilà. Donc on verra pas trop ma tête sur ce... À part quand j'aurai relevé la caméra. Donc voilà, j'ai pris ce bloc-ci. Alors je vous fais voir vite fait. Donc il y a cette feuille-là. Donc il y a une côté feuille. Et là c'est embossé, voilà. Ça, ça. Là c'est nous, voilà. Très joli bloc. J'aimais bien cette page-là. Voilà. Pas embossé, si embossé un peu et surtout pailleté. Voilà. Hop, H3. J'essaie de vous faire voir vite fait parce que. Hop, cette feuille là. J'espère que vous voyez assez parce que j'ai pas beaucoup de lumière dans cette pièce. Malgré ma lumière et ma lumière artificielle. Et celle-ci, hop, et hop, et celle-ci, et en premier, c'est l'éléphant, ça, c'est ça qui est doré, les petits trucs, c'est pas l'éléphant, donc c'est très bien, donc j'aimais bien ce bloc-là, donc ça, je sais plus les prix, je crois que c'était 1,99€, je sais plus du tout, donc pour vous repérer, il y a ce bloc-là aussi, très enfantin, celui-là, je trouvais. Les cannes à sucre. Voilà. Je vais passer assez rapidement sur cela. Là avec des écritures Merry Christmas. Je les ai pas tous pris, hein. J'en ai pris que 3. J'en ai déjà pas mal des autres années. Donc voilà. Donc celui-ci. Et j'ai pris celui-ci qui m'a plus pensé. Bah ça, mariage. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser au mariage. Me demandez pas. Les colombes, les machins. Pff, des fois, c'est mon cerveau. Je sais pas ce que je me prend. Voilà. Ou même pas que mariage, même hivernal. Voilà, ça peut passer pour une carte. Aussi, ça peut passer pour autre chose. Je vous fais vous le feuillet. Hein. Et hop, je passe un peu plus vite pour vous repérer. Comme ceci. J'ai pris des blocs 30-30. J'ai pris celui-là. Le... Il be home for Christmas. Je vais le remettre pareil. Je vais le faire pareil. Donc le noir. Là c'est blanc de l'autre côté. Là c'est comme ça. Comme ça. Comme ça. Là c'est plein d'étiquettes. Trop joli avec le petit ours là. Là aussi trop joli. Je trouve que c'est mieux de vous les faire voir comme ça. Parce que bah, je pense que vous les avez déjà vus les blocs. Donc voilà. Là avec le hou, les cadeaux comme ceci. Là c'est vraiment des étiquettes dessert, le plat, tout ça avec du foil un peu. Là il y a le Père Noël, je pense qu'on voit, hein. C'est pour ça que je voilà. Hop. Celle-là, j'aime bien cette page-là avec les moufles et tout. Celle-ci, les petites étiquettes. Là, les petits nez. C'est ça qui est en feuille dorée. Ça, le haut. Hop. Des mots. Mais c'est qu'en anglais, je crois. Il n'y a pas un truc en français, je crois. Donc, non. Donc, je ne sais pas ce que j'en ferai. Ça.
Là, là c'est noir et blanc. Là, le Christmas calendar. Il est pas mal, celui-là, j'aime bien. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était le premier. Ça, c'est 2,49€ ou 29, je sais plus. Donc il y a celui-là. Le deuxième, c'est celui-ci. Un coup de cœur pour celui-là, parce qu'il est un peu vintage, mais j'adore avec les animaux. Hein. Voilà. Donc... un peu vintage, je suis d'accord. Regardez-moi ça comme il est beau avec le petit lapin qui est là. Alors attendez que j'essaie de vous faire voir le petit lapin. Voilà le petit lapin. Le petit raton laveur ici. L'autre petit lapin. Le petit toit. Le petit machin. Franchement, là c'était les étiquettes. Ça, marronné. Là le calendrier qui est pas mal aussi. Là. Là avec les animaux, mais en tout petit. Là avec le tag, avec le petit rat là et le petit cerf ici. Là le petit écureuil et tout, j'ai adoré. Et voilà, je commence plus à vous faire voir plus vite. Ah bah celle-là elle est trop belle cette page. Je vais vous la faire voir comme ça. Là pour que vous voyez mieux. Hop, voilà. Bon c'est des mots en anglais, mais bon moi je mettrais peut-être une autre expression, je sais pas. Voilà ça. Vert, ça c'est des petits sapins verts. Ça c'est bien, c'est comme des die cuts, mais c'est pas découpé, donc il va falloir les découper. Mais je les trouve trop mignons, le cerf là. Le cerf, là la petite souris, là le cerf, là la petite souris, et le petit hérisson, trop mignons. Tout Noël là, c'est franchement trop mignon. Voilà. Je vais me dépêcher parce qu'on n'a pas fini. On a encore pas mal de blocs. Et ça, c'est une grande... pour faire une boîte comme ça, comme ils disent là. Pour faire la boîte. Et ben c'est ça en fait. Donc pas mal. Donc voilà, celui-ci. J'essaye. Donc celui-ci, c'est plus dans les tons violets. Donc je vais essayer de passer plus vite. Celui-là, c'est pas mon préféré. Les masques, plus baroque je dirais, avec le petit parapluie, là, là il y a le Père Noël, là il y a le petit écureuil, je sais pas si on le voit, et là un petit lapin, là les fleurs, cette page là, plus une page à servir, elle est jolie hein, mais plus pour faire une page photo quoi, là c'est des petites étiquettes. Les voir ou je ne vais pas vous les faire voir, je pense que vous les avez déjà vu les blocs en plus. Alors je vais pas vous ouvrir, je crois, les Papercraft 7, même s'ils sont magnifiques. Je pense qu'il y en a qui vous les ont déjà fait voir en plus. Là je vous feuillete vite fait, hein. C'est vraiment vite fait. Hop. C'est pas mon préféré celui-là, et c'est le comment il s'appelle celui-là. Le Believe in the Magic of Christmas. Et il y en a un autre que j'ai pris. C'est le Welcome to Candy Cane Land. Alors lui, c'est un de mes préférés. Même s'il est vert et rouge, je le trouve trop mignon. Avec les casse-noisettes et tout, les bonbons, la bouffe. Je le trouve vraiment très mignon. Très foil. L'étiquette de calendrier pas mal. J'adore là les petits trains en pain, fond de pain d'épices. J'aime pas trop le pain d'épices, mais là ça me dérange pas. Là les pains d'épices. Là les grandes étiquettes. Marquées plein de choses. Là les donuts de Noël. Là j'adore cette page. Là ici c'est sympa aussi. Là c'est sympa. Là c'est sympatoche. Là c'est aussi pour on va, il faudra découper quoi je trouve. Je vous l'ai mal fait voir ça. Vous voyez, il y a plein de. C'est du foil là. Foil rouge. Là, attendez, je vais vous la faire voir mieux. Voilà. Les Papercraft 7, je ne vais pas vous les faire voir. Je pense que vous les avez vus en long, en large et en travers. Je vais vous faire voir le derrière et les devants parce que je ne vais pas les ouvrir tout de suite. Moi j'en ai plein. Et ça, c'est pour faire des. Petite maison Ginger House. Voilà. Très bien. Voilà.
Voilà, celui-ci. Les Papercraft 7, que je passe vite fait. Donc, c'est celui-ci. Pour vous repérer, il est... Il y en a un noir, il y en a un gris. Il est marron, mais marron plus foncé que le haute, et c'est du doré. Je vais vous faire voir les autres de toute façon après. Donc c'est celui-ci. Donc on a des stickers. On a le Warm Wish en étiquette blanche. On a des papiers. Oh désolé si vous avez entendu le bruit. Et là on a plein de die cuts. Il y en a plein, hein, je vais pas vous faire voir tout. Et là, on a, vous voyez, encore des die cuts. Et là, on a des papiers. Et pour vous faire voir plus, ça sera plus facile comme ça pour moi. En plus, ça m'évite de les ouvrir pour l'instant. Il y a des tags aussi. Il y a du A5, du A4 et du A5. Donc celui-là, je dirais qu'il est sur le thème des animaux. Ensuite, on a celui-ci, qui est un autre marron. Vous voyez, c'est pas le même marron. Si on compare, là, c'était dans les cuivrés, et là, c'est dans les rose gold, pour vous repérer. Donc, pareil, je vous fais voir vite fait. Là, là. Le loup, il est magnifique. J'adore les loups et puis les animaux. Et là, et là, le papier que je vous fais voir vite fait. Voilà. Voilà. Et je vous fais voir vite fait l'arrière. C'est plus facile pour moi de vous faire voir l'arrière en plus. Ça évite d'ouvrir les sachets, après de les perdre, les machins. Et là, c'est marqué « For you ». Donc, pour toi. Des étiquettes bleues en bois. Ensuite, on a le Hug Kiss. Celui-là, il est facile et reconnaissable. C'est du doré et c'est du noir. Là, c'est dans les tons noirs et dorés. Donc, on a des stickers, des A5, des A4, des étiquettes en bois, de la cordelette, comme d'habitude. Ceci. Et les papiers A4. Voilà. Pas trop de les faire voir. Et hop. Voilà. Derrière, on a ceci. Voilà. On a celui-là. Et après, on a celui-là. Le Papercraft 7. Donc, on a ça. Les petits trucs avec le A5 et les tags. Open vis, il y a marqué les petits die cuts, les petits papiers avec les petits die cuts, les jolis ce papier renard et les papiers. Voilà, et je vous fais par derrière. Ça je suis passée plus vite que je pensais et ça c'est bien parce que ça franchement c'est le truc que ça prend du temps. Ensuite, on a les Luxe Paper. Pour ça, je vais passer vite fait. Donc lui, c'est mon préféré, c'est avec les animaux. Ça rappelle le bloc en plus. Donc, je vous les passe vite fait. Est-ce qu'on les voit? Je vais me mettre comme ça. On va les voir un peu. Hein. Pas trop non plus. Donc là, c'est le foil. Là, c'est le foil. C'est l'élevé l'homme. Là, c'est la page brillante. Hop. Hop. Donc là, pour vous repérer, il est en doré celui-là. Marqué Luxe Paper Block. Les petits animaux, trop mignons. Franchement, trop mignons les petits animaux. Comme ça, le petit lapin, le petit machin. Je vais voir vite fait. Hop. Trop mignon. Franchement, les die cuts, franchement, ils sont trop mignons et tout, même avec l'oie et tout. Oh, ils sont trop mignons, franchement. Moi, j'ai craqué, donc. Je m'en
maman sanglier avec ses petits. Franchement, trop mignon. Je vous les fais voir comme ça parce que je pense que vous les avez déjà vus, quoi. Moi, c'est que j'ai jamais trop de retard, comme d'habitude. Donc, pour vous repérer, il est comme ça, ce moque. Celui-là, c'est celui-là. Alors, je passe vite fait. Hein, parce que, voilà. Là, c'est plus avec les loups. Plus hivernal. Mais même, on peut l'utiliser pour Noël, celui-là. Il est magnifique. Les pages à 4. J'adore celle-là. Avec le mur. La feuille bleue, le feuille. La feuille à paillettes. Voilà. Celui-ci, pour vous repérer, c'est celui-là. Celui-ci. Vraiment trop beau. Lui, il est plus dans les tons rouges. Je les passe vite fait. Hein. Je pense que vous les avez déjà vus, c'est pour ça. Pour vous repérer, il est là. Et là, c'est écrit en rose gold. Et le dernier. Ah oui, lui, il s'est pris un coup de cutter. Mais quand il n'est pas pris un coup de cutter sur ma feuille, c'est un petit peu, mais c'est pas très grave ça. Voilà. Avec le. Pas le ou le gui. Ah oui, il s'est pris un coup de cutter, du coup j'avais pris cette feuille là. Et oui, il s'était pris un coup de cutter sur le mien. Donc voilà. Hop. Hop, hop, avec le renard et tout. Voilà. Lui, pour vous repérer, il est aussi pareil. Voilà. Avec le renard qui est là. Et le cheval à bascule. Donnez vos avis, vos envies dans les commentaires. À liker cette vidéo si elle vous a plu. À vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent. À cliquer sur la petite cloche pour recevoir mes notifications. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.